Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de collecter de la pierre sur les roches des détours. Alors les roches des détours, ils se trouvent dans les détours Fortnite, donc les détours c'est le gros truc que vous voyez devant moi. Alors pour les trouver, ils apparaissent aléatoirement dans des villes de Fortnite, donc là par exemple il est apparu à Retiro, donc vous ouvrez votre carte et vous cherchez après un gros rond comme vous le voyez sur la carte. Là ça veut dire qu'il y a un détour dans la ville de Retiro. Donc soit vous vous rendez dans ce gros détour ou soit vous rejoignez les petits détours qui sont représentés par des petites failles comme celle-ci, donc il y en a toujours 3. Par 3 dans la map, donc là elles ont disparu, elles vont réapparaître autre part. À chaque fois qu'il y en a une qui disparaît, elle réapparaît automatiquement autre part. Donc là il y en a une ici, une là et une là. Donc ça c'est des petits détours que vous allez pouvoir vous approcher et créer un petit détour, donc ça s'appelle une anomalie de détour, à l'emplacement où il y a cette petite faille. Donc vous allez créer un petit détour comme ceci, mais pas aussi gros. Donc ce que vous allez devoir faire pour collecter la pierre, c'est trouver des roches. Et les roches, c'est pas n'importe quelle pierre, n'importe quelle pierre, hein. Il faut vraiment que ce soit ces roches là que vous voyez avec des petits cristaux comme ça, comme s'il y avait des petits cubes. Et en fait ça c'est les roches et vous allez devoir collecter de la pierre sur ces roches là. Vous allez devoir collecter 50 unités de pierre. Donc là regardez, j'ai collecté 60. Donc là normalement avec 4-5 pierres, normalement vous aurez largement suffisant. Vous aurez largement assez de pierres pour terminer le défi. Et des roches comme ça, dans le gros détour où je suis, il y en a environ 25. Si je ne me trompe pas, il y en a une vingtaine de roches un peu partout. Donc vous avez juste à détruire ces rochers pour collecter de la pierre et terminer le défi. Donc voilà qui termine ce petit guide. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.